yeyi bolamu na DRC News Television toza na isenga okutana na bino lisusu mukolo malelo koto solo la mayematali actualité politique oyo ezali ko dominer na mboka na biso République démocratique du Congo et surtout l'actualité sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo ba kongomani bazali surtout attention na bango ezali attiré surtout par la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo et aussi la situation politique de la République démocratique du Congo. Constant Mutamba instruit le procureur général pour Alandela, deux fois. Oyobo yebi bobenga kaba homosexuel. Alors, Natongo ya lelo, nous avons vu Oyotozali kobenga le procureur général instruire d'autres procureurs. Il y a été Balandela, Batoyo, Bazali Bongo, Kusala, homosexualité, na République démocratique du Congo, Yemoko. Constant Mutamba, vous le voyez sur les réseaux sociaux, Azali Kopesa Lego dans son ministère, comme l'arrivée, il y a agent et fonctionnaire de l'État, na secrétariat, soit na ministère, il y a justice, Azali Bongo, na 7h30, après, il y a hymne national, un déjeuner d'ensemble entre les travailleurs et fonctionnaires de l'État, et après le début du boulot, voilà un peu, Oyoye, Azali Kosala, vous l'avez vu ensemble avec les travailleurs, j'ai beaucoup aimé cette image, il y a Oyo Constant Mutamba Yemoko à Kendaki sur le lieu pour aller s'enquérir de la situation, il y a des travailleurs, Oyo Babandaki Kolela, Bazali Kofutamate, 2 ans courant, Oyo Bazali Kakaba journalier, des salaires, Ezali instable. Baleleli Constant Mutamba Oapi à lobby dans 48 heures il va convoquer Batoyo Bazali Kokamba Milvest Oyezali Abatute pour en savoir un peu plus sur le paiement et il leur a donné encore 48 heures pour finir avec les travaux. Il y a palais de la justice, il y a Mbo Cannabiso République démocratique du Congo. Jusque là, ils ont dit bongo kaka ba peinture oyo batie mais misala oyo ba pesela ki bango misolo en termes de millions de dollars et tikala bongo ko sale matin et il leur a donné 48 heures comme pour dire qu'après 48 heures ce qui misala et ça limité ba libongo ko kangama. Nous irons à Lubumbashi où le chef d'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré au moment où Tozali Kobandamana Kanabiso Awa le train Oyo. Il y a service national, mais nous avons beaucoup de choses à dire sur la situation. Il y a SNCC, Société nationale des chemins du fer du Congo. Oyo, le directeur général, il y a chemin de fer, il y a Congo, il y a chemin, oui, le chemin de fer du Congo, Azali, Konyokolaba Kongomani. Tilelo bazali ko futa manato ya 70. Alors, tozali ko yebisa na ba kongomani boye mes chers compatriotes à l'est de la République démocratique du Congo, makambo ezali ya oyinda. Nini ezali ko yinda à l'est de la RDC? Awa nazali ko yebisa bino ba sniper, na ba tueur d'élite, ba lanceur de roquettes multiples, ezali bongo ya ba Rwandais, bazali bongo ya kokufa parce que l'aviation militaire et la défense aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo ezwa mibongo na maboko ya ba paramilitaires russes oyo bayaki comme des instructeurs à l'est de la République démocratique du Congo pour aider la République à prendre un envol sur le plan sécuritaire. Voilà pourquoi je vous invite déjà à aimer, liker, partager déjà notre émission. Bon, aimer vidéo, Nabiso, vous partagez en gros parce que Namanako Yobo Yeba. Qu'est-ce qui s'est passé na niveau ya Rwanda mokolo ya lobby vers 15h au appui le président rwandais a Outaki Bongo Kokangisa le chef d'état-major général de l'armée rwandaise et deux autres adjoints oyo babandaki kokambaye na mayematadi renseignement pe na ba opération sur terrain le rebelle ou soit bango moko au niveau de l'armée bazali kotomboka déjà contre leur président Paul Kagame. Mais avant de débuter l'émission, j'aimerais que vous puissiez suivre d'abord ce que je vous ai promis, cette vidéo où vous allez voir comment le ministre de la Défense et de la Justice plutôt Azali Bongo Kozomakambu Namabo Konaye pona debi ya misala ya palais de la justice. Nous allons pona pour rétablir état de droit. Mokonzi ya mboka alobelaki biso ete état de droit elakisi kotosa mibeko ya mboka.
Mokonzi ya mboka koki soki mokete kosepela ete ba congolais bazala maltraité. Sali musala na yo esengeli bakuta. Lokani bazo convoquer immédiatement. Merci. Ba responsable ya entreprise oyo e kosalisa misala te. Merci papa. Papa, tous ça va travailler, tous ça va. Les enfants sont congolais, les pères et les mères. Nous salaouais, y a qui pour la vie sont congolais, tout bénéficier. Pour chômage, n'importe la vie c'est ça la nini. Et si là, mais tous ils nous sala. Chef de l'État a fait si biso ba congolais tout ça musala mais ba dirige ba dirige biso ba komi koko sa biso banda to banda ko sa musala awa to za le logo moko to bénéficier la ngote to zwa gaté ba sala ba pe sa biso to ébité moi au bosu 100 moi na bosu 200 et ébanité mais ba sa sa biso musala de lundi au lundi le premier 30 to za na fériété to sa la musala bango ba to za ba prime ya ba $300 ba prime na ba $300 ne ba foute la biso ba salaire mais biso ba ki salaire to za ba $800 ba $900 to za kangote musalia ba une année 3 mois ba une année ba 10 na tout justement le pomo papa to da ba journal mais ba journal to sa la papa. Donc on m'a dit qu'il y a deux mois, un journalier, deux mois, trois mois, il faut qu'il y ait. Papa, Victor, il y a deux ans, il n'y a ni engagement. Vous êtes notre protecteur. Des bons citoyens, vous allez nous envoyer la réclamation sans à la délice, sans avocat, sans à la communique qui s'assoit. Bisso, tu fous dans ma carte, admettons, tu fous dans 300 dollars. Mais ces 300 dollars là, ils allaient briter. Et là, on peut 300, le peuple européen se semaine. Et ce que nous demandons à vous, d'abord de nous protéger judiciairement. Un, deux, législation est soumise bisoté pour protéger bison à contrat pour deux ans. Nous devons être protégés par un contrat qui va nous permettre que ceux qui le loyaux dans ce sens été dans le yengi. D'un chef en bas. C'est bon, merci. C'est bon. Vous avez fini? Pas encore. We had a very productive meeting with His Excellency, Minister of Justice. We updated him on the works, how the work is going on the outside of the Palais de Justice and also inside of the Palais de Justice. The Minister asked us clearly to start also the work inside of the Palais de Justice, and we give our instructions to the teams to start also the internal works in the Palace. And in from now on, from the 1.5 to 2 months, all the project inside and outside will be finished, and the country will have a new, we got a new ministry, what the country deserves. Nous venons de faire l'état de lieu, son excellence Monsieur le Ministre, et les travaux de l'intérieur nous commencerons cette semaine, donc dans les deux jours qui suivent, pour donner un nouveau image. Du ministère de la Justice avec les réhabilitations faites. Donc, ce n'est pas Menvas directement, c'est la sous-traitance. Et juste après ici, nous allons aller parler avec la sous-traitance de la situation. Merci. Et tous les agents seront payés. Pas au mieux. D'accord. Parce que entre temps, le bâtiment doit rester vide. Oui, le bâtiment doit rester vide. Non, il y a c'est l'administration. They are trying to make some noise here.
le bureau du protocole. Comme je vous ai toujours dit, Nambo Cannabiso détournement, c'est autorisé. Moutoukoki qu'on détourne, mais selon l'État, sans s'inquiéter. Moutoukoki qu'on sale en aïe, à zonio qu'on l'a congolais, sans s'inquiéter. Batir que baye, bazi ba congolais, bazo fouti sa bazo fouti abango, bazo sal sa bango, misala moko makasi, mais bazo fouti abango, avec un salaire, oyo, le lo ba fouti 100, lobi ba fouti 200, lobi ba fèche bango 50, de deux ans durant, bazali kaka ba journalier. Misalo yo baye laki na Congo, batika la kosala yangote, excepté peinture, oyo batie, na niveau ya palais de la justice. Et ce sont des millions et des millions de dollars oyo ebimi po basala musala wana. Selon boyokani bayokanaki na bango. Misala wana il fallait qu'il bafuta bango $800. Ça fait plus ou moins deux mois et deux mois on bafuta kabango de 100 de $200. Vous avez suivi dans la vidéo le ministre de la Justice qui a donné 48 heures. Namil Vest, comment expliquer que Batoua n'a pas conquis Kouta Bamboka na Bango, Baye na Congo, il continue. Il y a Onyo Kolaba Congolais. Et c'est lui qui était là comme le ministre de la Justice. Atikala Kolande la Makambua Nate. Atikala Kolobata du Lobamo côté, nous encourageons Constant Moutamba dans tout ce qu'il est en train de faire. Aujourd'hui, j'ai vu le procureur général Azali construire d'autres procureurs. Il y a Kolande Labatoua, Bababa, nuisance sonore. Il y a Hollande Labatoua, deux fois, les homosexuels, le PD, les lesbiennes, surtout Nabandal, Batonda, Kuna et Belé. Ce sont des pratiques. Même si c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion, il faut à la libre, même si je vois comme je ne vois pas comment est-ce que Bakoki Kolande la Batouana d'une manière officielle dans un cadre légal, mais il faut d'abord encourager les Alinanou. Prémisse à Hollande la Makambouana. Parce que trop, c'est trop. Nous sommes comme à Congo, nous partons copier les histoires en Europe, on les amène en République démocratique du Congo. La sodomie, c'est ce qui a amené Dieu à tuer, à faire descendre le fait sur Sodome et Gomorre. Et on ne peut pas accepter que de telles pratiques et salema n'ambo cannabis en République démocratique du Congo. C'est la même chose. On a dit ça, le ministre de la Justice nationale. Monsieur le ministre de la Justice, mais au niveau de la Société nationale de chemin du fer du Congo, SNCC, monsieur le ministre, l'argent qui a été donné au directeur général de la SNCC, à Kende Kosomba Bawagon, Batre Yassika, ce monsieur est allé négocier le train au Yobasi Babouaka en Afrique du Sud. Ba traîne ba wabongo yo basi ba bwaka na Zambi, azali kozwa yango, amemi yango au Congo, il suffit juste ba tiango peinture na couleur nationale, ainsi il amène ça alors qu'il y a de millions et de millions de dollars qui ont été déboursés. Lorsque ces wagons arrivent au Congo, lorsque ces locomotives arrivent au Congo, et que ça la 3-4 courses étaient écoufies, et c'est au gouvernement de faire sortir encore de l'argent. C'est trop au niveau, il y a Société Nationale de Chemin de Fer. Le notre monite à table au Kozia Ecole, à Kei Koinogire, battre à service national, n'est-ce pas le même train? Oyomuto, il y a directeur général, il y a chemin de fer, il y a Congo, Société Nationale de Chemin de Fer. Oh, il y a Kende qui kotia, kakaba couleur, il y a Pamba. A Tiema, il y a Langi, il y a Pamba. Et aujourd'hui, on amène le président de la République à inaugurer des trains qui ont été ramassés en Afrique du Sud et au niveau de la Zambie
pour ainsi faire déplacer le chef de l'État. Le président de la République mérite le respect. Et ce directeur général, il y a CNCC, à Azali, Konyokona, même les travailleurs. Écoutez un peu, même si on n'a pas de cœur, même si on ne veut pas voir les choses en face, comment tu peux continuer à payer le travailleur de la CNCC NATO à 70? Vous payez le travailleur NATO à 70 à Taïdomoko. Si c'était toi, qu'est-ce que tu pouvais faire? Tu peux être content NATO à 70, vous allez qu'on foutait la bataille. On appelle le président de la République, on appelle le ministre de la tutelle, on appelle au procureur, balandela mbongo ya ba wagona ba locomotive et bimaki na na CNCC. Ekeyi wapi? Pourquoi ba wagona ya sikabani kotia yango peinture? Il est allé prendre l'argent de l'État, accueillir, vivre, or que le travailleur sur terrain, le mécanicien basali sur terrain, nous disent que ce sont des locomotives, le locomotive plutôt, c'est ici, koufa, bakeba lokoti yango, on amène maintenant le mécanicien, bakota na ba garage, bas à ma pièce de rechange pour aller dépanner ces locomotives-là et mettre de la peinture sur ça. Et vous amenez le président de la République à Lubumbashi pour aller inaugurer de telles histoires. Mesdames et messieurs, nous vous avons dit, oh, ils ont eu deuxième mandat. C'est nécessaire, ce que Bandek Konyo collabore. Yéba, que le communicateur de la République a déjà ton dossier dans les mains. J'ai la lignette. Nous vous invitons à aller à Lubumbashi. MCC. Kuna ezali détournement sur détournement. L'argent qui a été destiné à l'achat, il y a ma matériel, parce que c'est nécessaire qu'on puisse vivre, ce qui va avoir donné ma locomotive ezali. Mais kuna mbongo ezali qu'on détourne presque même au yafourage. On y reviendra avec de plus amples détails. Maintenant, mes chers compatriotes, j'aimerais que nous puissions parler de l'Est de la République démocratique. Il se passe des choses qui méritent que les Congolais puissent en savoir un peu plus. Vous devez savoir, mes chers compatriotes, que les snipers ougandais, les snipers rwandais, les snipers kenyans, awanali kosolo la nabino, ezali matanga nangambu nabango. Awanali kosolo la nabino, Bazalina Matanga, parce que la défense aérienne des forces armées de la République démocratique du Congo, awa ekoti na maboko ya barus. Awa le chef d'état-major général, y a forces armées de la République démocratique du Congo, séjourne depuis il y a aujourd'hui, je peux dire, 72 heures, à l'est de la République démocratique du Congo. Je vous avais montré la réunion. Oyo Christian Tshiwewe, nawe otobengi, monsieur Chiko Tshitambwe. Ina, na lobi bien, une arme fatale installée sur l'axe nord. Banyarwanda bali kokufa. Neki banzizi. Banyarwanda baliko kweya, neki banzizi. Lelo sur l'axe nord. Ya Kanyabaonga. Oyo le général major. Oyo to bengi Chiko Tshitambwe. Azali kozwa ba responsabilité. Les responsabilités de Chiko Tshitambwe. Ezali komona na sur terrain. Regardez l'arme fatale qui a été installée à 10 km de Kanyabaonga, est en train de mettre le Banyarwanda en fuite. C'est en train aujourd'hui de montrer la montée en puissance des forces armées de la République qui sont mobilisées partout, dans tous les fronts, pour poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Regardez que la détermination des forces armées, il y a Mokolo ya lobby, Paul Kagame a frôlé la mort. Il a frôlé la mort. Un coup d'État est en gestation au niveau du Rwanda. Au sein de l'armée rwandaise, il y a déjà des mécontentements. Aujourd'hui, on peut vous dire que le chef d'État-major du Rwanda, l'armée rwandaise, a été arrêté par M. Kagame.
pourquoi Kagame a fait-il arrêter son chef d'état-major de l'armée? Et pourquoi ces deux adjoints sont accusés de collaborer avec les forces armées de la République démocratique du Congo avec comme intention, il n'y a pas que de la coup d'état pour la Kolongola, monsieur Kagame, au niveau il y a régime Nayo Azali Nango, au niveau il y a Rwanda. Voilà pourquoi la paix dont nous avons toujours parlé, la paix dont j'ai toujours dit aux Congolais, qu'aujourd'hui la paix va changer de camp, qu'aujourd'hui la paix, ce n'est plus dans le camp congolais, mais la paix, c'est dans le camp, il y a rebelles, dans le camp de l'agresseur. Aujourd'hui, délaissé par la communauté internationale, aujourd'hui, que la communauté internationale ne veut pas entendre, ne veut pas écouter Paul Kagame, aujourd'hui, il semble que même son armée, même à l'intérieur de son pays, il n'a plus la confiance, il y a militaire naïe. Oh, les cas qui l'ont dit, mes chers compatriotes, peut-être les lots, Bolinga Kibomo Nangana Yena Sangwakoye Bisabino, que Paul Kagame a été assassiné. Parce qu'il a frôlé la mort le jour d'hier, vers 15h. C'était depuis 10h50. Oh non, il y avait déjà un mécontentement. Lorsqu'il a fait arrêter le deux adjoints, il y a chef d'état-major, il y a armée rwandaise, il y a eu maintenant le crépitement des balles au niveau, il y a camp, il y a armée rwandaise. Et lorsqu'il est arrivé, pour qu'il y ait une causerie morale avec le militaire rwandais, c'est là où le militaire a refusé toutes les injonctions que Kagame avait données. Le militaire se sont rebellés contre M. Kagame. C'est lui qui était le tout-puissant. C'est lui qui avait le contrôle de tout. Aujourd'hui, c'est la peur qui lui hante. Premièrement, il fait de remaniement au sein du gouvernement. Il fait changer le ministre de l'Intérieur. Aujourd'hui, il fait changer celui que nous appelons le numéro 1 de l'ANR au niveau du Rwanda. Et hier, c'était l'arrestation. Il y a le deux adjoints, il y a chef d'état-major général, il y a armée rwandaise. Mais qu'est-ce qui se cache derrière l'arrestation Wana? Selon M. Paul Kagame, la montée en puissance de l'armée congolaise, c'est avec la collaboration, il y a Dieu Wana Mibale, où il y a chargé, il y a renseignement, où il y a chargé, il y a opération. Pour, il y a autre Zali Kobenga, le renseignement au niveau du Rwanda a été tué sur le sol congolais alors qu'il se rendait à Rwandi avec tout un cortège. Le cortège a été décimé, le cortège a été détruit. Tout le monde qui l'accompagnait a été confondu aux cendres de véhicules qui étaient dans son cortège. Alors, au moment où nous sommes en train de vous parler, l'armée rwandaise a perdu plusieurs officiers. L'armée rwandaise a perdu plusieurs militaires. Et même le Ruzugande, Oyoba Yaki Bakoti, Pote Bayako accompagné, Bayako soutenir Bango, Bango Pe Bakoyaki, Naba Sniper na Bango, Naba Toyo Rwanda qui kotire, Baroquette, Yarme, Ugandezo et Kotaki, à partir de Vitumbi sur les lacs qui nous séparent avec l'Ouganda. Alors tout ceci, c'est une confusion totale. Parce que la communauté internationale commence à accuser aussi l'Ouganda de soutenir le rebelle du M23. De la part du Kenya, le Kenya qui, la société civile, l'opposition, il y a beaucoup d'autobengi Kenya, Bazali côté Némela, le président William Ruto, par rapport à la position qu'il a prise en rapport avec la situation sécuritaire qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà pourquoi, depuis hier, l'aviation militaire de forces armées de la République démocratique du Congo a réussi, une fois de plus, à détruire plusieurs positions du M23 qui étaient déjà avancées pour fouler leurs pieds dans le niveau de Kanyabaonga. Kanyabaonga est devenu comme la cité de Sake où le rebelle peuvent voir de loin, mais leurs pieds ne peuvent pas pénétrer ces deux cités. Ainsi, mesdames et messieurs, aujourd'hui, avec l'installation de cette arme fatale qui peut détruire aux environs, qui peut détecter le mouvement suspect, qui peut aujourd'hui
montrer à la face du monde que la 8e position, Oyo Arne Azali Nangolelo, Azali position Moko, il y a pour dire qui. Voilà pourquoi, mesdames et messieurs, vous pouvez retenir que les Wazalendo ont été infiltrés. L'armée rwandaise a recruté ses propres Wazalendo. Voilà pourquoi Batuebele, Bakangami, par la population qui reste vigilante plutôt par rapport au faux Wazalendo, Oyo Bayaki, Nango et Paya Barwande, Bakoki Saki Bango, na Oto Zali Kobenga, na population. Le peuple commence à arrêter ces faux Wazalendo. Ainsi, je n'ai pas le temps de vous balancer la vidéo dans laquelle un faux Wazalendo a été arrêté. Celui qui a été recruté par l'armée rwandaise, il a été roulé, tabassé par la population. Parce que la population reste déterminée à soutenir, à accompagner son armée et ses volontaires pour la défense de la patrie, pour que Mboka Nabiso et Tikala, Kakana Lolenge, Tozali Kokende, Yako repousse ba ennemi, Yako Bengana Bango, de partout où ils sont en République démocratique du Congo. Au moment où je suis en train de vous parler, la guerre fait rage. Le M23 sont en débandade. Moutoua côté les mazalités, qui peut résister devant les forces armées de la République? Qui peut résister devant la défense aérienne? Saviez-vous que la défense aérienne du Rwanda a été détruite? Pourquoi la panique qui hante Paul Kagame? Il a chamboulé le commandement de l'armée naïe. C'est parce qu'ils ne se sont pas rendus compte avance que système Nabango et Zalaki détruit. Le lot qui va se rendre compte que leur système et Zalaki détruit, il nous appelle à ce que les Américains qui avaient installé ce système, Bazonga pour réinstaller le même système. Mais c'était sans compter sur l'applicabilité, il y a prise en charge, il y a 2 345 000 km², il y a Olotobengi, frontière Nabiso, intégrité territoriale, l'étendue nationale, où ils allaient déjà na contrôle Yaba Suisse, Yaba Russe plutôt. Regardez ce qui se passe. Lorsque le chef de l'État avant comme à Lubumbashi ou Tamukolo Yalobi pour inaugurer les soi-disant locomotives dont j'ai parlé ici, il a été reçu par Cyril Ramaphosa. Et Cyril Ramaphosa a dit au président de la République, merci de participer à mon investiture, mais nous vous attendons au sommet des BRICS. L'invitation qui est lancée à Félix Tshisekedi de participer au sommet des BRICS pour les années qu'on s'est tenu qu'à la Mingité. Et je vous ai dit qu'il y a l'invitation, il y a Tata Mokonja Ekolo, pour les années qu'on kende bongo, na niveau ya Kremlin. Je vous ai encore dit qu'il y a l'invitation de Xi Jinping. Xi Jinping, le président congolais, accompagné de Vladimir Poutine, reviendra ici pour inaugurer ce que nous appelons l'industrie, il y a fabrication à bas explosifs. On aura à ce temps-là les bombes, les grenades, au Bakokoma, même une DRC. On aura aussi à exporter les armes, on aura aussi à vendre les armes. Et tout cela est en train de faire paniquer les Américains. Tout cela est fait en train de faire paniquer l'Union Européenne. Voilà pourquoi l'Union Européenne aujourd'hui commence à condamner le Rwanda. On ne condamne pas le Rwanda parce que le Rwanda a tort. Mais il condamne le Rwanda pour montrer que le Congo les a dribblés. Le Congo est passé outre. La République démocratique du Congo a déjà d'autres priorité, et cette priorité, c'est la sécurisation. Ils viennent maintenant pour chercher l'empathie de la République démocratique du Congo, pour que nous puissions nous dire que non, regardez, l'Union européenne est en train de condamner le Rwanda. Or, en réalité, ce qui soutenait le Rwanda, c'était l'Union européenne. Et aujourd'hui, ils se rendent compte, alors que c'est déjà trop tard, ils se rendent compte aujourd'hui, alors que Makamboisi est changé. Si c'est Kominev, Machessi et Balouki, la Russie et la Chine ont déjà pris l'ascendance sur la République démocratique du Congo. Le résultat aujourd'hui, vous voyez le chef de l'État
qui est invité d'une manière officielle à prendre part na autres Ali Kobenga, le sommet des BRICS. Et l'invitation lui a été remise dans le main par celui que nous appelons M. Cyril Ramaphosa. Ramaphosa appelle Tshisekedi à participer et non pas envoyer quelqu'un na kati ya sommet ya autres Ali Kobenga ya BRICS. Et les BRICS, na minute ils allaient diriger par la Russie. Et la Russie venait de mettre en garde celui que nous appelons monsieur le président Joe Biden, le président américain, pour lui dire que ce qui va aller continuer, n'a pas injonction et va aller pèse à la République démocratique du Congo. Ce qui va aller continuer, n'a pas ventir, ou aller salema, n'a niveau de la République démocratique du Congo, ils seront à mesure d'amener les armes. Or, quand vous allez koloba, nous serons à mesure d'amener les armes. Zokande, en réalité, le paramilitaire russe, dont deux ont été blessés par les bandes de la M23, Bazala qui est déjà installé à l'est. Et regardez maintenant l'installation, l'arrivée d'un avion de chasse blindé. Il y a des Russes, il y a des Américains, il y a des Américains, il y a des le système de la protection de Rwanda et Zala qui détruit. Je suis obligé. Par rapport à l'état de santé, vous avez vu, je me suis démené pour venir vous présenter ces numéros. Le 30 minutes, ça suffit pour aujourd'hui. Je suis obligé de m'arrêter par là et de vous retrouver demain. Prions que la santé puisse se rétablir afin que nous puissions continuer à décrypter l'actualité politique et sécuritaire de notre pays. On se retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir. Ciao.